sapin de Noël. Faites votre choix. Dépêchez-vous, mesdames et messieurs, Noël approche. Let your heart be light. Achetez un sapin de Noël. Next year, all our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Next year, all our troubles will be miles away. So have yourself a merry little Christmas now. Ah. Oh, Lorna! Ah, plus les années passent et plus ça devient compliqué. Oh, je vous avais dit que je vous donnerais un coup de main. Je ne veux pas que vous tombiez de cette échelle. Je saurais l'empêcher de monter dessus. Vous gardez vos mains dans vos poches, c'est un conseil que je vous donne. Je n'ai jamais posé la main sur vous. Non, bien sûr que non. Mais je sais que c'est pas l'envie qui vous manque, Chester. Je suis là si vous avez besoin de moi. Hmm. Oh, regardez à quoi joue ce petit monstre. Oh, Hector! Hey, j'ai la classe. Là, c'est cool. Sois gentil. Tu sais bien que ta mère ne veut pas que tu joues dans mon 4x4. Ouais, mais elle en sera rien. Elle est encore au travail. Il faut qu'elle livre plein de colis. Dis-moi, tu m'emmènes quand faire ce safari? On le fera la semaine prochaine, je te le promets. Dis donc, dans ton 4x4, on peut pas incliner les sièges? Ça doit pas être tellement génial pour les petits câlins. Hector! Quel âge as-tu? Quel âge j'ai? Ben, 12 ans. Non, tu as 8 ans et tu n'as pas encore de poils au menton. Bon, d'accord, laisse tomber. Tu veux que je t'aide à monter tout ça dans ton appartement? Oh, ouais, c'est gentil à toi, j'accepte volontiers. D'accord, $5. Sors de là. Pourquoi ça se termine toujours comme ça? Je peux jamais faire ce non, que je veux. Non, pauvre chérie. Salut les gars. Pas chaud. Bon, alors. Vous avez faim? C'est bon, je suis dans les temps. Mais, à vrai dire, je crois que une petite année d'apprentissage de plus ne m'aurait pas fait de mal. Non, non, je pense y arriver, c'est juste que je suis un peu nerveux. Il avait dû ressentir ça aussi, papa. Ouais, t'as raison. Pourquoi est-ce que ça n'irait pas? Buddy? Où est Buddy? Alors là, tu vas un peu fort. Tu sais que c'était mon déjeuner? Tu viens de me voler mon déjeuner, espèce de vilain farceur. Coucou, Sandy. Salut, mon grand. Oh, et ça, c'est pour qui? Oh, Jordan.
Je n'ai rien pour toi. Oh, c'est pas grave, c'est pour te remercier de me remplacer sur les visites guidées cette semaine. Ça fait au moins 2 ans que je n'ai pas fait ça. Tu t'en sortiras très bien, tu verras. Suffit de faire un peu d'humour. C'est bien ce que je redoute. En voiture, la visite guidée va commencer. Il reste encore de la place. Allez, c'est parti. Voilà. Bonjour, je m'appelle Sandy et je vais être votre guide pour une visite d'une heure du zoo. Bonjour Sandy. Quel accueil! Je manque un peu de pratique. Néanmoins, ne vous faites aucun souci. L'appareil est équipé de masques à oxygène qui tomberont automatiquement devant vous si jamais nous devions subir une avarie quelconque. Est-ce que je suis drôle? Allez, en route. Je crois que ça va pas être facile. L'enclos suivant, vous allez voir les derniers arrivants parmi nos chers pensionnaires. Ce sont des rennes très particuliers car ils nous ont été prêtés par un certain Monsieur Noël. Ne sont-ils pas magnifiques? Selon Monsieur Noël, ces rennes n'ont pas une assez bonne vie pour voler la nuit. Hey, Sandy! Sandy Brooks! En route. J'ai dit en route, allez. Sandy, attends! C'est moi, Buck! Voilà pour les rennes. On poursuit la visite en tête. Sandy, arrête! Nous changeons de continent pour découvrir à la fois des dromadaires sur notre gauche et des girafes sur notre droite. Admirez la grâce de ces animaux. Très bien. On va voir les rennes. Cours, si t'en as envie, de toute manière, je t'aurai. C'est une super journée. Ah ben ça, ça fait plaisir. Au revoir, monsieur le panda. Au revoir, ma jolie. Ici l'agent McKibble. Rien à signaler du côté des singes. Ici l'agent McKibble. Vestiaire du secteur 1, sécurisé. La situation est sous contrôle. Pas de bol. Oh, ça doit être une question d'habitude. Ah. Salut, ma beauté. Oh, je crois que je me suis endormie. Buck, qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben, je me suis dit qu'étant donné que j'ai fourni un renne à ce zoo, t'avais sans doute envie que je passe. Et tu as de si une jolis minute. Yeux que... J'ai cherché partout le certificat de provenance que le ranch a dû te remettre. Tu ne peux pas nous fournir un renne qui n'a pas de papier. On est une toute petite entreprise, on ne peut rien laisser au hasard. C'est vrai, la paperasserie. Je l'ai oublié dans mon 4x4. Alors, où en étais-je? Ah oui. T'es ravissante. Allez, arrête un peu. C'est Noël, Sandy, fais pas la tête. Tu ne veux plus de mon amitié? Voyons, on n'a jamais été amis. Eh ben justement, c'est parce qu'on pourrait être bien plus que ça. T'adores la chasse, t'adores les animaux empaillés. Et moi, je déteste tout ce qui t'intéresse dans la vie. Et d'ailleurs, à part l'argent, qu'est-ce qui peut intéresser un mercenaire? Je suis pas un mercenaire. C'est fini les parties de chasse au gros gibier. J'ai arrêté. Pour toi. Ça mérite bien un dîner, tu crois pas? Tu continues à faire semblant de pas comprendre. C'est pourtant clair. Je ne suis là que pour quelques jours. Je rêve de les passer allongés avec toi sur une peau d'ours devant un feu de cheminée. Et l'ours en question, qu'est-ce qu'il en pense? Oh, on peut s'allonger sur de vieux sacs de pommes de terre si tu n'aimes pas la fourrure. Du moment qu'on est l'un contre l'autre. Écoute-moi bien, Buck. C'est non, d'accord? En voilà de drôles de manières. J'ai mené mon enquête, tu sais. Et je sais que ça se bouscule pas tellement pour passer Noël avec toi. Désolée. Qui c'est cet énergumène? C'est un intrus.
Allons voir ce qu'il veut. Où as-tu la tête? Franchement, tu peux m'expliquer quelle mouche t'a piqué? Non, mais tu te rends compte. Disparaître comme ça une semaine avant Noël, alors que tu es censé apprendre à voler. Non, j'ai déjà assez de soucis comme ça. Ce sera mon premier Noël, à moi aussi, je te signale, avec le traîneau et la hotte sur le dos. Et j'ai besoin d'être épaulé, tu comprends, Buddy? Si je n'ai que cette reine, on ne volera pas? Et si on ne vole pas, Noël tombe à l'eau, c'est la catastrophe. Pense à ce que je te dis dans ta petite tête de reine. Avoue que ce serait dommage de te retrouver avec les RNV, les reines non volants. Non, papa serait furieux. Quoi? Non, Buddy, tu peux voler, tu vas y arriver. Crois-moi, j'en suis sûr, tu peux voler. Il faut simplement que tu travailles la technique de décollage, la course d'élan, tu vois, c'est tout. C'est facile, ça fait un pas, deux pas, hop. Regarde, tiens, un pas, deux pas, hop. Tu vois, un, deux, hop. Pense au lac des cygnes, tiens. Un, deux, hop. Un, deux, et hop. Il paraît qu'il va nous dire qu'il a une enfance malheureuse. Un, deux, hop. Hé, vous là-bas, ne bougez plus. Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites? T'as de la chance, tu vas voir Buck Sager en action. Hé hey, revenez! Arrêtez-vous! Garde, on a un intrus. Il se dirige vers les primates. Bien reçu, Sandy. Je suis en train de te rattraper. Personne n'échappe à Buck Sager. Non, non, Buck, attends. Il faut alerter la police. C'est moi qui l'ai vu le premier. Je veux ma part. Wow! Bon sang, c'est quoi ce flash? Il faut tirer pour ouvrir. D'accord. Si tu préfères la manière douce. Ça alors, il est où? T'en fais pas, je le trouverai. Il y a des traces de pas jusque là, devant ce miroir. Ouais. Et plus rien. C'est incroyable. Fat man's coming in. Oh! Oh! Creep around town with his red suit on. Slide down your chimney with a bag of toys. Better be good now, girls and boys. Oh, je trouve un autre moyen de voyager. Si je ne peux pas amener Lorraine jusqu'au miroir, c'est le miroir. Jusqu'au reine. Mais papa, c'est une friandise. Allez, petit, prends ce qu'elle te donne. Salut Sandy. Ah, salut Carl. Je veux que cet enclos soit bien gardé de jour comme de nuit au cas où l'intrus déciderait de revenir. Compte sur moi. À l'approche de Noël, il y a des fous partout. Ouais, je sais. Approche. Tu t'es fait un copain, on dirait. Il est adorable, ce renne, tu trouves pas? Ouais. Il est différent des autres, je sais pas trop pourquoi. Pourtant, ils proviennent tous du même élevage, mais celui-là, il a quelque chose de spécial. Il a peut-être le mal du pays, tout simplement. Je sais pas. En tout cas, il t'aime bien. Il aime surtout les friandises. Oh non, d'une bûche. Hé, hey, vous, là-bas. Vous pouvez pas vous garer là. Revenez. Ah, Buck, tu veux bien arrêter de me faire ce genre de blague? T'es si fébrile, si nerveuse. Je connais un bon remède contre ça. Je peux savoir d'où tu viens, Buck? Dis-nous ensemble et je te répondrai. Tu sais quoi? Toute la journée, j'ai eu l'impression que quelqu'un m'observait. C'était toi, hein? Non, ma belle. Je te jure que c'était pas moi. Mais si ça peut te rassurer, je peux passer chez toi voir si tout va bien, disons vers 9h, j'apporterai le vin. Oh, attends. Juste une seconde. Sager? Monsieur Terrell. J'ai l'intention de m'offrir une partie de chasse au gros gibier pour Noël, Sager. Fournissez-moi une belle proie. Et vous aussi, vous passerez un très bon Noël. Un Noël vert comme des billets de banque. Ne vous faites aucun souci, monsieur. Je m'en occupe. Je vous trouverai quelque chose. Une belle proie, bien grosse et bien féroce, promis.
compte sur vous. J'ai un vaste espace à combler sur mon mur. Au pire, je pourrais y accrocher votre tête, n'est-ce pas? Comptez sur moi, monsieur. Alors, ma belette, où en étais-je? Oh, la magie de Noël. Bon, alors... Salut, je suis... Salut, je suis Nick. Oh, ben salut. Salut. Bonjour, je suis Nick. Je m'appelle Nick. Et je suppose que ça ne vous arrive pas souvent, mais... Le problème, c'est que votre zoo a mon renne. Et... J'en ai besoin. Oui, le traîneau ne vole que si j'ai 8 rennes, et il faut qu'il vole, évidemment. Non, je ne suis pas sous, j'ai pas... du tout. Non, ne vous alarmez pas, hein. En fait, ce serait plus simple si vous posiez ce fusil, parce que ça m'a pas l'air d'être un jouet. Dis donc, toi. Oh, désolé, je suis émotif. Avec qui est-ce que tu discutes? Et qu'est-ce que tu fais en tenue de grand froid? Hector, tu es censé être là-haut et non pas dans la rue. Oh, qui est ce jeune homme? Oh, je ne fais que regarder, je ne fais que regarder. Ouais, ça ouais, ça fait une heure qu'il regarde. Oh, mais ça ne me dérange pas du tout. En général, je ne vais pas visiter la maison aussi tard, mais comme j'ai ce petit monstre à garder, de toute façon... Enfin, j'aimerais bien ne pas y passer toute la nuit, alors entrez donc. Vous avez de la chance, j'ai une chambre inoccupée. Ah oui? Ah bah, je veux dire, c'est bien. Je suppose que vous avez vu la pancarte. Eh oui, voilà. Là, à droite, vous avez la salle à manger. Oh, ben c'est là qu'on mange. Et le séjour est juste en face. Ah oui, c'est là qu'on séjourne. Oh, quel joli tableau de Paris. Oh, merci. Vous connaissez Paris? Oui, j'essaie d'y aller tous les ans. Waouh, quelle chance. Moi, j'ai toujours rêvé de partir voir Paris. Oh, mais ce n'est qu'un rêve. C'est une jolie ville, très française. Les cheminées sont étroites. Et dites, vous devez avoir rudement chaud avec ça sur le dos, non? C'est vrai. Et la pièce qui est à louer se trouve à l'étage. Et le loyer est à payer le premier du mois. Voilà, c'est cette chambre-ci. Waouh! Ça, c'est un miroir. C'est une antiquité. C'est drôle, quand on arrive à mon âge, toutes ces choses qu'on s'était achetées flambant neuves deviennent des antiquités. Ah oui. Voilà, la chambre est ensoleillée toute la journée. Elle offre une très jolie vue. Alors, qu'en dites-vous, monsieur... Snowden. Nick Snowden. Je crois que ce sera parfait. Au Rennes des Grands Lacs. Malheureusement, nous sommes fermés pour les vacances, alors laissez-nous un message après le bip et joyeux Noël à vous. Bonjour Bill, c'est Sandy du zoo de San Ernesto. Voilà, je vous appelle parce qu'il me faudrait un certificat de provenance au sujet du renne qui nous a été livré par Buck Seger. Vous voulez bien me rappeler si vous... Ah, s'il vous plaît, ce serait gentil. Je compte sur vous. Merci, au revoir. Au sujet de ce renne, voyez-vous, je ne suis pas... comment dire... Mais à quoi il joue cet imbécile? C'est pas un renne comme les autres. Je veux dire, c'est pas un renne ordinaire, c'est... Ah! Je t'ai à l'œil, Nick Snowden. Je sais très bien ce que tu mijotes. Ah oui? Tu sais? Je t'en prie, entre dans mon bureau. Sécurité avant tout. Où est-ce qu'on va? Coco, j'ai 8 ans. Et on ne conduit pas à mon âge. Oh. D'ailleurs, à vrai dire, Sandy est un peu trop vieille pour moi. Alors je veux bien te laisser tenter ta chance. Mais ça a un coût. Quel genre de coût? Tu vois ce catalogue là? Mm-hmm. Je voudrais bien offrir un bijou à ma mère, parce qu'elle a tellement de travail à cette époque de l'année. Ah. Oh, ce sont de très beaux bijoux, Hector. Ouais, ils sont pas donnés. C'est pour ça que je cherche des petits boulots à faire dans le quartier. Les gens du coin, ils sont radins. T'es un gentil garçon, Hector, et tu dois beaucoup aimer ta maman. Aimez-la en sourdine. D'accord. Note personnelle, Hector, gentil. Mais c'est une maman, pas vrai? Alors dis-lui simplement que tu l'aimes. Tu sais, elle préfère ça, les mamans, à n'importe quel joyau. Mais à mon âge, ça se fait plus. Depuis quand? Coco. Je sais, je sais. Merci.
de rien. C'est le nouveau locataire. Tu m'es redevable. Ah, je crois qu'il vous aime bien. Merci. Il a l'air d'être un gentil garçon. Ouais. Il doit être sage. Je vis juste au-dessus. Oh, ah. Je suis Sandy. Et vous, vous êtes? Oh, Nick. 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 Désolé. Ça fait rien. Ça va? Boum. Ouais. Oui, ça va. Merci. Je dois aller au travail. Oh. Ah oui. Oh, oh. Ça. Ok. Je suis coincée. Oh, il faut juste. Oh, oh, c'est étrange. Ouais. Je... D'accord. Contente de vous connaître, Nick. Moi aussi, Sandy. Allez. Je suis Nick. Oh bon sang, c'était pathétique. C'était vraiment nul. Lorna, non! Je n'irai pas. Un point, c'est tout. Oh! Mais Lorna! Oh! Oh! De quoi s'agit-il, Chester? À l'origine, c'était des places de théâtre. Elle fait semblant d'y être insensible. J'avais cru que ce serait une bonne idée, comme cadeau de Noël, de l'inviter à aller au théâtre avec moi. Je refuse d'aller m'asseoir avec vous dans l'obscurité d'une loge. Et elle a vraiment des oreilles de chauve-souris. Oui, et en plus, elle a l'ouïe fine. Oh. Ah, ça fait 20 ans que j'essaie de convaincre cette femme de m'accorder un peu de son temps. Je vois. Paris est joli à Noël. Vous pourriez l'emmener là-bas. Certes, mais même si j'en avais les moyens, elle refuserait d'y aller, puisqu'elle ne veut déjà pas aller au théâtre avec moi. Ah, c'est vrai. Oui, c'est un cas intéressant. Laissez-moi y réfléchir. Au revoir, merci, à bientôt. Merci de votre attention. Au revoir. Joyeux Noël. Qu'est-ce que vous faites ici? C'est que c'est un zoo et je suis un touriste. Ah oui, un vrai de vrai. Lorna m'a dit que vous étiez au zoo. Elle a dit comme ça, elle travaille au zoo. Alors je me doutais que je tomberais sur vous. Madame, d'où ils viennent ces animaux du zoo? Waouh, très bonne question, Richie. Oh, eh bien, certains viennent d'autres zoos où ils sont venus au monde, ou bien d'élevage, et d'autres ont été capturés dans la nature. Monsieur, vous savez, vous avez toujours vos étiquettes. Ça fait drôle, tu crois? Aux yeux de certains, oui. Allez, moi, il faut que j'aille vérifier quelque chose, alors oui, tiens, prenez les étiquettes, et à bientôt, les enfants, au revoir. Est-ce que je peux venir avec vous? Oui. Si vous voulez. Très bien. Comment elle sait que tu t'appelles Richie? Dites-moi, comment vous connaissiez le prénom de ce petit garçon? Personne ne l'a dit devant nous? Non. Oh, je l'ai probablement entendu avant. J'entends un prénom et je le retiens, c'est tout. C'est ici. Quoi donc? Vous allez voir? Venez voir ça. Ils sont magnifiques. Ils sont arrivés la semaine dernière. Vous savez, parfois, ils se laissent caresser. Vous voulez essayer? Venez. Oh non, j'ai peur d'être allergique. Allez, mais non, voyons, n'ayez pas peur. Ah, oh, d'accord. Salut, toi. Oh, ben ça alors? Tout doux, hein, gentille reine. Oh, qu'est-ce qu'il cherche? Faites voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi avez-vous du lichen dans vos poches? Oh, ça, je l'ai ramassé quelque part au nord d'ici. Oh, oh bah, c'est qu'il a l'air d'aimer ça, hein. Bah, vrai, me dit. Sacré bon, bonnet. Il aime pas les cacahuètes. Une seconde. Et les enfants, écoutez, je regrette, mais il est interdit de nourrir les animaux. Si vous voulez. Non, je suis pas en train de me laisser distraire. Je suis plus malin que tu ne le penses dans ta petite tête de bois. Tu verras, mais chut. Oh, ça y est, c'est réglé. Dites, vous ne commencez pas à avoir un petit creux? Oh, bien sûr, chez vous, ça ne se voit pas du tout. Enfin, je veux dire, c'est pas que vous soyez grosse, hein. Vous n'êtes ni grosse ni maigre, vous êtes super. Et je voulais seulement savoir si vous comptiez faire un repas, parce que vous pourriez avoir envie de le faire bientôt, et peut-être avec moi. Non, une minute. Qu'est-ce que vous avez dit? Ah oui, c'était un peu confus. Je suis non, prêt. Non, avant ça, est-ce que j'ai rêvé ou est-ce que vous l'avez appelé? Ma belette! Salut, Buck. Salut.
Qui est-ce, monsieur? C'est Nick, mon nouveau voisin. Enchanté. Oh, non, d'une bûche. Oh, désolé, je ne mesure pas toujours bien ma force. Non, en effet. Sandy, on a un problème. On a un train plein de touristes, mais pas de guide. Oh, j'avais carrément oublié. J'arrive tout de suite, Carl, désolé. Je vais aussi par là, je t'accompagne. D'accord, suivez-nous, Nick. T'en fais pas, j'ai un plan. Sois sage, mon grand, et attends-moi ici. D'accord, courage. Voilà. Nom d'une bûche, cette fille était patente. Salut. Je t'en prie, arrête. Je sais parfaitement que je n'ai aucune chance avec elle, mais j'ai l'intime conviction qu'elle possède la clé pour te faire sortir d'ici. Seulement fais attention, elle a failli nous démasquer tout à l'heure. Apprends à voler et laisse-moi m'occuper du reste. Le type qu'on a retrouvé dans l'enclos aux rennes. Est-ce que t'as remarqué que l'un des rennes n'avait absolument pas peur de lui? Et le mieux, c'est qu'il l'a appelé petit. C'est bien ce que je craignais. T'es obsédé par ces rennes et par ton travail. Crois-moi, Sandy, il faut que tu t'éloignes un peu de cette vie de dingue. Tu as besoin d'être avec Buck. Encore une fois, je crois que la seule réponse appropriée que je puisse faire, c'est non. Alors, voyons voir. Mousse. Lichen. Oh! C'est vraiment étrange. Cladonia rangiferina. Une sorte de mousse arctique. Oh, oh là là. Oh, c'est pas vrai, quel désastre. Oh, c'est la première fois que je laisse brûler une dinde. Sinon, il y a ça. Oh, du jambon, parfait. J'en conclus que ma dinde est vraiment trop brûlée. Ça sent délicieusement bon dans cette cuisine, Lorna, comme toujours. Je le vois venir avec ses gros sabots. Ne commencez pas à me mettre en rogne, monsieur Fields. Au fait, qui c'est au juste le nouveau locataire? Oh, ça, je l'ignore. Je ne demande jamais de renseignements à mes locataires. Les gens se sentent toujours obligés de me mentir. Et leurs références sont toujours excellentes. Non, moi, je suis plutôt mon instinct. Et ma foi, il est tellement mignon, vous ne trouvez pas? Non, enfin, je veux dire, j'en sais rien, je vous assure, j'ai pas remarqué. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je peux tout expliquer. Je veux une maquette de fusée, un VTT, un ensemble de baseball, une véritable montgolfière, un sabre de samouraï, un abonnement à vie au journal... Oh, le chantage, c'est très vilain. Ah, tu veux dire quoi au juste? Bah, y a pas de cadeau pour les vilains garçons. Franchement, qu'est-ce t'en as à faire de moi? T'as un renne qui est coincé dans un zoo alors que c'est bientôt la nuit de Noël. Je sais, j'irai le libérer demain, Hector. D'accord? Non, on ira tous les deux. Je te donnerai un petit coup de main. T'es dur en affaire, mon garçon. Mais d'accord. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. Attendez, ça a l'air rudement lourd. Excusez-moi, hein, votre porte était... Alors, un coup de main? Oui, avec plaisir. Tenez, c'est gentil. Oh, mais ça y est, je le tiens. Ça va aller? Oui, ça va. Allez, hop. Ça va? Oh, oui, j'en ai pour une minute. Eh ben... Y'a quoi dans ces boîtes? Des décorations de Noël. Rien que ça? Ouh. Vous avez de quoi décorer tout un village. Ouais. Vous voulez que j'en descende un peu? Non, ça va aller. Qu'est-ce que vous dites? Non, j'ai ce qu'il faut. Merci, Nick. Entendu. Un, deux, test. Bah, ça marche. Oh! Oh, merci. Ce fut un plaisir. Une boîte aussi lourde, vous pensez? Oh, ravissant. Oh, vous vous moquez de moi, je sais bien. Mais pourquoi? Non, je le trouve très beau. C'est un très joli sapin, tout à fait le style de sapin que j'aurais choisi, moi aussi. C'est gentil. Oh, qui est-ce? Oh, c'est ma mère, mon père et moi.
C'est le dernier Noël qu'on a passé ensemble. J'ai une question. Oui? Pourquoi voulez-vous laisser ces boîtes au grenier? J'en sais rien. Elles étaient à ma mère. Elle adorait Noël. Elle faisait des quantités affolantes de gâteaux et de plats succulents. Et elle décorait toute la maison de guirlandes multicolores. Des gens venaient de partout pour voir ça. C'était absolument magique. Ouais, mais depuis qu'ils sont morts tous les deux, Noël, c'est... comment dire, c'est devenu... Enfin, c'est différent. C'est même assez triste. Il vous aimait très fort, en tout cas. Au fait, qu'est-ce qui vous amène dans la région? Moi, dans la région. Ouais. C'est le transport. Enfin, je veux dire, c'est des problèmes liés au transport que j'ai avec mon entreprise familiale. Des problèmes de transport dans mon entreprise. Enfin, ça, c'est rasoir. Enfin, vous voyez, joli cadre, hein. Dites-moi... Tiens, puisqu'on en parle, en quoi consiste votre travail au juste? C'est formidable de travailler dans un zoo avec des animaux. Quel est votre animal préféré? Oh, j'en sais rien, je crois que je les aime tous. Ah oui, mais il y en a bien que vous préférez parmi tous ces animaux, réfléchissez. J'avoue que j'ai un faible pour les ours polaires. Les ours polaires, et quoi d'autre? Les rennes. Ah bah oui, les mais rennes. Vous travaillez dans une entreprise de quoi au juste? De manufacture et de distribution. C'est drôle, j'arrive pas à me souvenir du nom du gardien qui porte une casquette qui a toujours... Karl, une manufacture de quoi? Ce qu'on fabrique chez nous, oui. On donne vie à nos rêves. Ce n'est qu'un slogan, mais on fabrique un tas de choses. Et où êtes-vous situé? Au nord, au Canada. Vraiment? Au Canada? Mais alors vous devez être concerné par la fonte des glaces. Ah bah oui, très, j'adore la glace d'ailleurs. Tiens, moi j'adore la glace, je m'en offre une tous les mardis. Oh, désolé. Oh. Voilà. Bon, bah... Je vous laisse, j'ai du travail qui m'attend, beaucoup de travail. Ah oui, je comprends. Moi, faut que je dorme. J'ai une grosse journée qui m'attend. C'est le Noël des enfants au zoo demain. Oh. Alors... Oh, maintenant. Ah ben d'accord. Et merci pour tout. De rien. Bonne nuit. Bonne nuit. Interdiction de s'approcher des animaux, c'est le règlement. Karl? Agent de sécurité McKibble, un problème? Karl, allez voir les ours polaires. Pourquoi ne pas envoyer quelqu'un d'autre? Je dois surveiller les rennes. Karl, allez voir les ours polaires. Les rennes sont très bien. Alors, bien reçu. Pas touche, je reviens. Génial, ça a marché. Bon, et maintenant? C'est quoi ton plan? J'ai trouvé ce déguisement dans le placard à accessoires de mon père. Mais qui va se déguiser? Buddy. Hein? C'est ça ton plan? Déguiser un vrai renne en faux renne? Exact, cher petit complice, on va libérer Buddy grâce à la clé de Sandy, le camoufler là-dedans et ensuite, fut, on marche jusqu'à la sortie du zoo. À mon avis, on n'a aucune chance. Allons les enfants, calmez-vous! Calmez-vous, je suis sûr qu'il ne va pas tarder! Il va venir! Il est en route! Père Noël, où es-tu? Non, arrêtez! Notre Père Noël est alité. Une bonne indigestion. Quoi? C'est pas vrai, dis-moi que c'est une blague. Il est en chemin, il ne va pas tarder. De toute façon, on a toujours le costume. D'accord, mais ça m'a pris des semaines pour trouver quelqu'un qui veuille bien le mettre. Je trouverai jamais un remplaçant à la dernière minute. Et les enfants sont survoltés. Qu'est-ce que je peux faire? Attendez. Psst,
C'est le moment de se faire la belle. La voie est libre. Allez, dépêche, petit. Elle a l'air naturelle, hein. Elle a l'air naturelle. Mais non, t'as pas l'air ridicule. Ah, quelle belle journée, vous ne trouvez pas? Monsieur, attendez. On voudrait faire une photo de votre ami. Désolé, on n'a pas le temps, on est vraiment très pressé. D'abord, qui es-tu? Un des lutins du Père Noël, je suppose. Ça ferait tellement plaisir aux enfants. Dans ce cas... Mais... Je ne refuse jamais rien aux enfants. Allez, allez, passe-le-moi, je vais le tenir. Voilà, allons-y. Venez, les enfants. Et placez-vous derrière le faux renne, hein, car c'est un faux renne. Serrez-vous au maximum à côté du faux renne. Et maintenant, souriez, je veux que vous disiez... Ouistiti. Ouistiti. Voilà, Sandy, dépêche-toi. Tiens, Hector, prends la photo. Ça va pas. Sois un gentil. J'ai pas me servir de ça. On est prête, vas-y, mon garçon. Excusez-moi, je vous... Sandy, ça alors, quelle surprise. Que vous faites là? Ce que je Nick fais là? Nick m'a amené au zoo voir les animaux, étant donné que tu n'as jamais le temps. Mais non, jamais le temps. Oh, c'est vrai, je suis vraiment désolée de ne pas l'avoir fait. J'ai tellement de soucis au zoo ces jours-ci. Par exemple, aujourd'hui, c'est le Noël des enfants. Eh bien, figurez-vous que notre Père Noël est malade. C'est un tir au flanc, voilà ce que c'est. Eh oui, un tir au flanc. Je vais donc voir à l'oncle des rennes si Carl veut bien le faire. Non, non, je veux dire, franchement, Carl, il ferait pas un bon Père Noël. Il manquerait de panache. Attendez une seconde. Vous. Vous mettez du combien au costume du 42? Moi? Oui, le costume vous ira à merveille. Ah, oh, c'est génial, venez vite, tout le monde vous attend. Non, il faut que je vous dise quelque chose. Si j'enfile ce costume, les enfants, ils croiront que je suis le Père Noël. C'est le but recherché. Ça vous prendra pas plus de 10 minutes et c'est très simple. Vous entrez, ils s'assoient sur vos genoux, ils vous murmurent à l'oreille ce qu'ils veulent pour Noël et c'est tout. Vous pourrez continuer votre promenade. D'accord, je vais le faire. Super. Et toi, en attendant, si tu retournes voir ce que fait ton reine préférée... Mind-toi de jouer le Père Noël, on n'a pas que ça à faire. Où est-ce qu'il est? Qui donc? Eh ben, le renne. Je crois bien avoir vu s'envoler. Mais non, je le fais marcher. Il est allé... Attends, non, par là, excuse-moi. Ou par là, peut-être. Oh. Oui, c'est ça, je crois que c'est par là. Il arrive! Du calme! Il ne va pas tarder! Regardez, ça y est, il est là! On l'a vu, très fort! Raconte-nous une histoire! Oh oui, dis, raconte-nous une histoire! 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 Je vais leur raconter une histoire! Une histoire! Une histoire! Vous voulez une histoire? Bonjour, les enfants! Bonjour, Père Noël! Il était une fois un seigneur très méchant et très cruel qui vivait loin d'ici, dans une contrée étrange. Or, il advint que ce méchant seigneur décida d'offrir pour Noël une fête somptueuse à des rois et à des reines. Un pauvre mendiant, tiraillé par la faim, fut surpris en train de grappiller quelques miettes dans les cuisines. Or, ce méchant seigneur était avare. Il se fâcha et le fit jeter dehors, seul dans la nuit glacée de l'hiver. Oh non! Ça, c'est mauvais signe. Buddy! Mais... ce que le méchant seigneur ignorait, c'est que ce n'était pas un mendiant ordinaire. Cet homme était en réalité un sorcier extrêmement puissant. Et le sorcier jeta un sort au méchant seigneur. Alors, sous l'effet du sortilège, le méchant seigneur disparut. Il réapparaissait cependant chaque année, une semaine avant Noël, durant laquelle il devait donner une partie de ses trésors exprimés de bons sentiments et des paroles amicales. Bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, ce méchant seigneur donna et donna encore, tant et si bien qu'un jour, il se produisit une chose étrange. Il prit conscience de la joie que ses cadeaux apportaient aux gens et, petit à petit, un peu malgré lui, il se piqua au jeu et en très peu de temps, il se mit à adorer faire des cadeaux. Si bien qu'à la longue, le sort qu'on lui avait jeté ne fut plus une malédiction, mais un bienfait. Et ce seigneur, qui avait été si avare, donna de tout son cœur. Et à ce moment-là, évidemment, il se produisit des choses très étranges. Par exemple, quand il était inquiet de voir sa réserve de cadeaux s'épuiser, eh bien, tout à coup, elle se retrouvait bien garnie, comme avant. Il avait obtenu des pouvoirs magiques. Et ces pouvoirs magiques ont été transmis de génération en génération, de père en fils. Et ils sont passés ainsi de mon père à moi. Voilà comment je suis devenu le Père Noël. Voilà,
C'était donc la vraie histoire de l'origine du Père Noël qui, évidemment, est très occupé parce qu'il a un tas de choses à faire. Alors, il faut que je vous quitte. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Père Noël. Au revoir, Père Noël. Buddy, c'est pas le moment de faire l'andouille. Il faut que tu te caches avant que quelqu'un tombe dessus. Viens par ici. Allez, dépêche-toi. Tu viens ou quoi? Buddy? Allez, fais pas le malin. Où t'es, Buddy? Comment t'as fait ça? Comment t'es entré là-dedans? Ah, ouf, c'était chaud. Bien joué, Hector. T'as bien fait de le ramener ici. Non, non, ça c'est un mystère. On était de ce côté du grillage, lui et moi. Je le laisse 2 secondes et je le retrouve dans son enclos. T'en es sûr? Ouais. Oh, oh. Tu crois qu'il a fait un bond? Oh, tonnerre d'Islande. D'abord, ils font des grands bonds et ensuite, ils volent. Imagine qu'ils se mettent à voler avant qu'on le libère et que des gens le voient faire. Ce serait grave, Hector. Ce serait vraiment très grave. Récapitulons. T'as d'abord essayé d'amener Buddy jusqu'au miroir magique, puis d'amener le miroir magique jusqu'à Buddy. Ensuite, il y a eu le fameux coup ridicule du costume, qui, à mon avis, est la pire des idées que t'aies eue. Pour moi, la seule solution, c'est la mania forte. Ben voyons, ça marchera jamais. Je suis incapable de faire ça. Hé hey! Attends, Nick. Mais qu'est-ce que ça veut dire? T'as pas le droit de laisser tomber, t'as pas le droit de nous tourner le dos. Et je te rappelle que si Buddy tire pas ton traîneau, tu pourras pas venir. Et si tu viens pas, tu te rends compte du nombre de déçus que ça va faire? Non, Hector, je n'abandonne pas. Il est hors de question que j'abandonne. Je vais changer de tactique, ça c'est sûr. Je vais convaincre Sandy de coopérer. Voilà ce que je vais faire. Ah ouais, en faisant quoi? Je te trouve bien curieux. Allez. Vous avez vu cette foule devant la maison? C'est trop cool! Je parie que les extraterrestres voient briller notre maison. Nick! Nick! Il est ici avec moi, en train de m'aider. Alors? Ça vous plaît? Sortons discuter 2 minutes, s'il vous plaît, Nick. D'accord. Oh, regardez, vous êtes juste sous la branche de Guy. Allons, c'est la coutume, Nick. Embrassez-la sous le Guy. Allez. Ça, c'est pas bon du tout. Vous n'aviez absolument pas le droit de faire ça. Vous vous prenez pour qui, à la fin? Je vous l'ai dit dans la Jeep, je suis... Vous n'essayez savez... pas de faire de l'humour. Je suis très sérieux. Vous avez fouillé dans mes affaires personnelles, non, c'est vous comprenez ça? Tout ce que je vois, c'est que vous avez fouillé dans mes affaires. Je voulais juste vous remonter le moral, parce que vous étiez un peu... Est-ce que je vous ai demandé un seul instant de vous occuper de moi? Je me suis dit que ça ne devait pas plaire à votre mère de voir que ces décorations restent au grenier. Alors, sans réfléchir, je les ai sorties. Sans réfléchir? Quoi? Sans réfléchir. Je suppose que vous êtes fiers de vous. Oh, attendez, non, Sandy, écoutez, vous avez raison, je suis désolé. Je suis désolé, je n'aurais pas dû. Mais regardez autour de vous, toutes ces lumières. Regardez, dites-moi ce que vous voyez. Tout ce que je vois, c'est que vous n'aviez pas... Oh, c'est incroyable. Et l'étoile, là-bas. Je vois Noël. Ça fait chaud au cœur. Sandy, je dois vous avouer quelque chose. C'est que, bon... Je suis... Dis-lui, grand bêta, c'est le moment! J'ai l'intention de préparer un dîner. Pour nous tous, ici. Pour vous remercier de votre... hospitalité. Et un dîner en tenue de soirée. Par exemple. D'accord. Parfait.
alors? Qu'est-ce que t'as fait, Jules? J'ai paniqué, fiche-moi la paix. Une vraie poule mouillée, ce Père Noël. Non, tu peux pas avoir deux skateboards, c'est trop de skateboards. Écoute, ça c'est rien, à côté de tout le reste. Hector, l'esprit de Noël, c'est pas ça. Oh, tu es là, Hector. J'emporte ma tenue avec moi. Je vais essayer de finir de bonne heure ce soir. Mais mon chéri, je ne peux rien te promettre. Tu sais bien qu'en ce moment, j'ai beaucoup de travail. Comme d'habitude. Écoute, c'est vrai que je passe peu de temps avec toi ces jours-ci, mais crois-moi, mon chéri, ça ne m'amuse pas plus que toi. Tu parles. Et voilà, tous les ans au moment de Noël, c'est comme ça. Je déteste vraiment mon travail à cette période de l'année. C'est rien, un jour il comprendra, il n'a 8 ans. Et puis c'est important ce que vous faites. Je m'y connais en livraison. Oui, à Noël, tous ces colis, ces cartes de vœux, ces lettres, ces paquets, comment ils arriveraient à destination sans nous? Est-ce qu'on ne rend pas un peu les gens heureux? La seule chose que je peux vous dire, c'est que tous les ans, ce surplus de travail m'épuise. Vous livrez de la magie, Isabelle. C'est un beau métier. Qu'est-ce que vous allez faire? Rien du tout. Coucou. J'ai trouvé d'autres boules, elles étaient sous mon lit. Quand je pense que vous gardiez toutes ces choses ravissantes dans des boîtes au grenier. Je sais, je suis si contente de les voir à nouveau. Au fait, vous savez où est Nick? Oh, à cette heure-ci, j'imagine qu'il est en train d'acheter la dinde de ce soir au supermarché. Il fait un tas de choses, c'est sûr, mais il oublie de faire ce qui est vraiment important. Et n'oublions pas qu'il veut qu'on soit tous hors de la maison jusqu'à ce que tout soit prêt. Oh, c'est un garçon vraiment charmant. Oui, je suppose que oui. Je suis très contente pour vous. Lorna, non, non, détrompez-vous, il n'y a rien entre lui et moi. Non. Mais je vous assure. De toute façon, il vit au Canada, alors... Pour quelqu'un qui dit qu'il n'y a rien entre toi et lui, je trouve que tu rougis beaucoup. Tais-toi, tu peux pas savoir puisque t'étais pas là. C'était merveilleux. J'avais la sensation d'être un garçon normal qui avait sa chance avec une fille. Quoi? Oui, oui, je sais. Je sais, oui, me dis, je sais, c'est bientôt la nuit de Noël et donc c'est le moment idéal pour lui dire toute la vérité. Je le sais, tout ça. Et si j'ai un plan? P-L-A-N-T, un plan? T'es sûr? Y a pas de thé? Oh, t'as toujours été meilleur que moi à l'école. Bref, c'est un super plan. Cette fois, ça peut pas rater. Je prépare un délicieux repas pour tous ces gens charmants et au bon moment, j'entraîne Sandy à l'écart. Je lui sers un verre de vin et là, je lui dis tout. Tout quoi, Nico? Buck, c'est Buck. Salut, Buck. Je voudrais te poser une question, Nick. T'as suivi des cours spéciaux pour savoir discuter avec ces rôtis ambulants? Parce que moi, j'ai essayé de discuter avec eux, mais pff, que dalle. Et dis-moi, Nick, tu dragues ma belette? Écoute-moi bien. Je te surveille, Coco. Depuis le jour où tu t'es installé dans cette maison de fous. Alors je te conseille de garder tes distances avec Sandy, sinon... je te fais bouffer par les ours polaires. Oh, et puis v'là un compte. Oui, ça va. La prochaine fois, je l'envoie au pays des maléfices. Reste là, faut que j'aille vomir. Salut, beauté. Oh, Buck, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu arrêtes de me surprendre? Oh, très jolies ces chaussures. Ouh, et très sexy. On réveille notre voisin ce soir et je vais être jolie pour l'occasion. Ah oui? Il y sera, le nouveau? Si c'est de Nick que tu parles, mm-hmm. Oui, il y sera. C'est un locataire. Maintenant, si tu veux bien me laisser... Mon instinct me pousse à croire que ce type a des visées sur toi. Et en matière de visée, t'en connais un rayon. Je suis sûr que c'était lui l'intrus de l'enclos, Ren. Buck, arrête, s'il te plaît. Toute son attitude, sa façon de te charmer hier soir. Tu veux dire que tu nous espionnais? Buck, je veux que tu sortes entièrement de ma vie. Te fâche pas, j'ai décidé de veiller sur toi, Sandy. Que tu le veuilles ou non. Je suis mû par de grands sentiments. Hors d'ici! It's Christmas time again. The stockings are hung and the tree is trimmed.
sound of the season, I'll bring it on in. It's Christmas time again. Ouh là là, c'est chaud. You know it's Christmas time again. It's Christmas time again. C'est pas encore le moment, voyons, mais qu'est-ce que vous faites là? D'accord, papa aurait fait autrement. Seulement, je ne vous ai rien demandé, moi. Je suis sûr de mon plan. C'est agréable de s'être invité. Oui, surtout chez toi. Les amis, c'est très gentil de vouloir m'aider, mais vous allez remonter dans ma chambre et repasser tous à travers le miroir magique immédiatement. Oh, regardez qui est là. Oh, c'est pas vrai, elle est là. Je vous interdis de commencer sans moi. Non, je suis pas en retard. Ils ont trouvé quelqu'un pour faire la seconde tournée à ma place. C'est un miracle, vous pouvez me croire. Je suis si contente que vous soyez là, ne traînons pas. Vous arrivez sans doute à Isabelle. Allez, grimpe. Dépêchez-vous, vous deux prenez l'escalier de secours. Hop, allez, à toi. Allez, les enfants, on se dépêche. Ne restez pas là, montez vous cacher. Chut. Les autres dans la salle à manger. Hop, hop, hop. Oui, moi aussi. Oh, si. J'espère qu'il y aura que des bonnes choses à oui, manger. Oui, je meurs de faim, chérie. Ah, je dévorerai un cheval. Oh, j'espère un peu de tenue. Oh. J'espère qu'il sait cuisiner. Oh. Chut, pas un bruit. Coucou, monsieur Snowden. Soyez sage. Oh. Êtes-vous prêt pour vos invités? Pratiquement. Je vous propose d'aller dans le séjour. Il y a des amuse-gueules et du cidre. Dans le et séjour. Détendez-vous, le dîner sera servi dans quelques minutes. Merci. D'accord, c'est gentil. Oh. Quels sont étranges. C'est la plomberie ou le four. À moins que ce soit la dinde. La dinde qui crie « Je suis cuite !» Allez. Oh, Sandy. Oui. Vous êtes ravissante. Oh, merci. Une minute, ils sont bien sept. Tonnerre, tornade, fringant, furie, comète, cupidon, éclair. Ça fait sept. Parfait. Ah, il faut que j'aille vérifier quelque chose. J'en ai pour une minute. Faites comme chez vous, je reviens. Ne l'embête pas trop. Sois sage. Oh, 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 oh. Mais c'est pas Buddy. T'as raison, Hector, c'est pas Buddy. Oui, je suis là, mais n'entrez pas. Vite, fais-le sortir par derrière. Dépêche-toi. Nick ? J'arrive. Allez, petit, petit, petit. Vous voulez que je vous aide à quelque chose? Non, non, tout a l'air en ordre. Je crois que ça va aller. Vous êtes sûr? Si vous voulez, je peux sortir la dinde du four ou l'arroser ou la découper. J'ai déjà Hector qui m'aide, vous savez. Je l'ai chargé de sortir la bestiole. Pourquoi ne retournez-vous pas au salon, grignoter un peu ou boire un autre verre? Je vous rejoins bientôt. D'accord. Merci. Allez-y, j'arrive. D'accord. À tout de suite. Bon, alors, tu décides? Écoute-moi, espèce de mule. Je veux que tu voles jusqu'à cette fenêtre immédiatement. Sinon, j'ajoute du rôti de renne au menu. Compris? Alors, file en vitesse. Tous les diables de l'enfer. Qu'est-ce que c'est? Il a la vue qui baisse. Ah ouais, ben les autres, ils sont pas sourds. Dépêchons-nous. Oh, mais Nick, où allez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Rien du tout. On a entendu un grand bruit. Un bruit? Ah oui, c'est un pigeon. Un très gros pigeon. Hector, c'est vraiment un très gros pigeon. Regarde un peu les dégâts que t'as fait. Ne monte pas sur le lit avec tes pattes toutes sales. Nick sera à vous dans une minute, promis. Nick, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Tout va bien. Nick, les invités commencent à s'impatienter, il faut que tu te dépêches. Tu permets? Nick, je vais compter jusqu'à 3. Allez, vite. À 3, ouvrez-nous, sinon j'enfonce la porte. Bien. Si on dînait. Ah, alors, descendons-vous. La soupe est prête. Jean. Merci à tous de m'avoir réservé un aussi bon accueil dans cette maison. À votre santé. Santé, oui, trinquant. Si vous saviez combien je suis contente qu'on soit tous réunis. Je me demande pourquoi on n'a jamais fait de repas de Noël ensemble auparavant. Nick, c'est absolument délicieux. Si je ne me surveille pas, je vais faire craquer ma robe. Oh. Si t'as du mal à finir, maman, je veux bien t'aider. Je n'avais encore jamais de toute ma vie mangé quelque chose aussi délicieux. Oh, c'est de la cuisine nordique. Mais aussi délicieux que soit ce repas, il ne saurait rivaliser avec votre propre cuisine, ma chère Lorna. S'il vous plaît, plus de vin pour Monsieur Phil. Plus de vin, non? Oh, mais je n'ai que faire d'avoir du vin dans mon verre.
quand votre seule vue, votre seule présence me plonge dans un état d'ivresse que je ne saurais décrire. Buvons à ça. C'est une très bonne idée. Je crois que je vais en avoir grand besoin ce soir. À votre bonté, ma chère Lorna. Vieux Grégou. Qui veut du vin? Isabelle, je vous sers. Non, merci. Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. C'est bien, mais ne regarde pas tes pieds. From now on, our troubles will be out of sight. Il y a un autre monsieur qui a des chaussures de danse. Non, je sais pas, je suis pas un peu danseur. Mais je suis très bien dans ce... Allez, venez, ne cherchez pas d'excuses. C'est très facile, votre main droite vient là, et la gauche prend la mienne. Très bien, on va faire un simple pas de valse. Vous êtes prêts? Un pas de valse. Allons-y. Oh, je le savais, je vous ai écrasé les pieds. Je vous avais dit, je sais pas danser, je manque de pratique. Ça fait rien, écoutez, vous savez ce qu'on va faire? Non. On va juste se balancer d'un pied sur l'autre. Se balancer doucement. Sur la musique, comme les enfants. Écoutez bien la musique. D'accord. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now. Joyeux Noël, mon vieux. Puisqu'on est que tous les deux. Délicieux. Dommage que j'en ai pas pris pour toi. Comme c'est vous qui l'avez amené, j'ai pensé que ça vous intéresserait. T'as rudement bien fait de m'appeler en premier. Je voudrais juste m'assurer que tu ne diras à personne d'autre. Non. Monsieur Terrel, j'ai enfin trouvé le cadeau de Noël de vos rêves. Bien, moi, je peux te dire que j'ai passé une bonne soirée. J'avais l'impression d'être en famille. Ouais, moi aussi. Nick. Vous avez réussi à me rendre quelque chose que je croyais vraiment avoir perdu pour toujours. J'ai fait ça? Quoi? Un vrai Noël. Quelque chose qu'il faut que je vous dise. Quoi? Eh bien, c'est un conte. Oui, enfin, vous vous souvenez de l'histoire que j'ai racontée au zoo pour les enfants? Mm-hmm. Le sortilège. Oui, oui, c'était fascinant. Pour un peu, vous m'auriez fait croire à nouveau au Père Noël. Oh, eh bien, ça me rassure. Parce que... Si je vous disais que cette histoire n'est pas un conte, en fait, c'est l'histoire de ma famille et que c'est moi qui suis le Père Noël aujourd'hui. Que diriez-vous de ça? Je crois que... Sandy, ma chérie. Oui? Vous avez un appel. Merci, excusez-moi. Sandy, j'écoute. Quoi? Oui, d'accord, je viens, j'arrive tout de suite. Un souci? Le jeune reine a disparu. On nous l'a volé. Il a disparu? Changez de canal, je répète. Qui devait surveiller ce secteur ce soir? Karl, mais il n'était pas à son poste quand je suis passé. Karl? Est-ce qu'on sait où il est? Non, mais il ne doit pas être très loin. Oh, bon sang. Hé, Karl! On sait que tu es là! Ouais,
défricher le camp. Carl, c'est Sandy, ouvre cette porte. J'ai rien fait, je le jure. Est-ce qu'on t'a reproché quelque chose? Ouais. 3% cette... Salut. Entrez. Nom d'un iceberg. J'allais rentrer chez moi. Carl, notre jeune reine a disparu. Ouais. Oh non, c'est pas vrai. Si. C'est terrible, ça. Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Je veux dire, en tout cas, moi, je n'ai vu personne en train de voler un renne dans l'enclos. C'est vrai, quoi. Un intrus dans un enclos, ça se remarque. C'est pas moi qui ai voulu faire ça. C'est Buck. Et Buck m'a forcé à l'aider. Buck? Il a dit qu'il me tuerait si je l'aidais pas. Mais ce renne, pourquoi voulait-il le reprendre? Je sais que ça paraît incroyable, mais ce renne arrive pratiquement à voler. Et je n'ai rien bu, hein. Ça je vous le jure. Je l'ai vu faire des bonds de près de 10 mètres de long et de haut. Oui, je l'ai vu de mes propres yeux. Buck disait qu'on allait faire fortune en le vendant à un chasseur. Non, d'une bûche glacée. Écoute, Carl, maintenant, il faut absolument que tu nous dises tout ce que tu sais. Je ne sais rien d'autre, j'étais tellement terrifiée. J'ai dû m'évanouir. Fais un effort, réfléchis. Réfléchis. Réfléchissez, Carl. Je crois qu'il a parlé des hangars de l'aérodrome. Allez. Sandy, qu'est-ce que vous faites? J'appelle la police, je connais ces hangars. Non, n'appelez pas la police. Reprenons les recherches. D'accord, mais pourquoi? Mais pourquoi je pars? Allons-y. Wow, c'est stupéfiant. Ouais, et très rare, n'est-ce pas, monsieur Terrell? C'est comme chasser le renne et le canard sauvage en même temps, quelque sorte. Vous me garantissez qu'il volera? Absolument. On voit bien qu'il enrage d'être enfermé. $20,000, c'est une sacrée somme. Je vous en donne, disons, 10,000. Je vais le... C'est vrai, c'est Noël. Je comprends. On est tous un peu fauchés. Ça ne fait rien. Si ce n'est pas dans vos moyens, j'ai d'autres clients que ça intéresse. Vous êtes dur en affaires, Seger. Je vous l'amène à votre ranch dans quelques heures. Et demain matin, le jour même de Noël, je vous lâche tous les deux sur vos terres et la chasse commence. Qu'en dites-vous? Marché conclu, c'est le voyou. Viens là, mon grand. Mais qui nous attend? Nom d'un lutin en caoutchouc. C'est une sacrée cage. Petit, on va te sortir de là. Un coup sec et tu peux sortir. Oh, tu te bûches. Hé hey. Oh. Qui est là? Oh. Fuyons. Vite, par là. Oh. Après vous. Merci. Ah. Oh. Vous entendez? Ouvrez cette porte! Qui est là-dedans? Ouvrez immédiatement! Bon sang, on est coincé. Qui est là-dedans? Ouvrez! Ouvrez, sinon je défonce la porte! Je crois que là, il faut qu'on discute. Je doute que ce soit le moment idéal pour discuter, Nick. Oh, si, c'est un excellent moment. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Une issue de secours. Ah hop. Je cognais très fort au miroir. Hey, salut mon grand. Nick, vous voulez me dire où on est? Du côté du pôle Nord, dans un endroit que j'appelle la maison. Et tous ces... Ils sont tous... Ce sont vos... Oui, c'est ça. Et ça, là, c'est sûrement votre... Oui, c'est ça. Et là-haut, c'est sans doute... C'est lui, Sandy. C'est stupéfiant.
Oui, je sais. Alors, cette petite mule, ça te dirait de faire un tour? Hey! Tant pis pour toi! T'as signé ton arrêt de mort! On n'échappe pas comme ça à Bob Seger! Oui, enfin, avec quelques nuances, mais... Des nuances? Vous avez toute une écurie de rennes volants, vous vivez à côté du pôle Nord toute l'année, vous avez tous ces jouets. Pour moi, c'est clair, vous êtes le Père Noël. D'accord, mais n'empêche qu'il y a une grosse différence entre la légende du Père Noël et ben moi. Parce qu'il n'y a pas grand-chose de vrai dans tout ce qu'on raconte sur moi. Il y a beaucoup de choses inventées de toutes pièces. Tenez, par exemple, tous les gentils lutins qui sont censés m'aider. Une pure invention du 19e siècle. Quant à ma fortune, c'est loin d'être l'opulence. Et aussi, quand je ris, je ne tremble pas comme de la gélatine. Je ne suis pas en gélatine, je suis tout maigre. Alors, c'est ici que vous faites... Tout ça. Attendez une seconde. J'en ai eu une comme celle-ci. Vous en avez une? Oui. C'était celle que mon père préférait. Il la réservait... aux enfants les plus sages. Je suppose que vous avez des stocks énormes de jouets? Non, tout est là. Je fabrique un seul jouet et ensuite... Comme dans l'histoire que j'ai racontée aux enfants, je... Oui? C'est très pratique. Et il y en a toujours assez. C'est étonnant que vous ayez attendu aussi longtemps pour me dire tout ça. Oh non, Sandy, j'ai essayé, mais... Oh, c'est rien. Oui, mais pourquoi à moi? Oh, à cause de Buddy. Oh, oui. Voilà pourquoi je n'avais pas le certificat du renne que Buck m'avait amené. Il ne venait pas d'un élevage. Non, seulement Buddy adore se promener en forêt. Alors Buck... Alors Buck l'a attrapé. Il l'a attrapé, alors je suis partie à sa recherche, parce que le traîneau ne vole pas s'il manque un renne. En plus, c'est le premier Noël de Buddy, et il ne s'est pas encore volé, alors... C'est donc ça que vous faisiez l'autre soir dans l'enclos au renne, vous lui appreniez à voler. Oui, enfin, j'essayais, sans trop de succès. C'est là que vous avez chargé Carl de la protection des rennes. Tout est ma faute. Non. Si, c'est ma faute. Tout le monde risque de ne pas avoir de Noël à cause de moi. Je ne suis vraiment qu'une cruche. Non, 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 vous êtes... Je vous trouve très belle. Et... Buddy saura voler. C'est vrai? Sans doute. Buck va l'emmener chez le chasseur. Buck? Il faut qu'on y retourne. Tous les deux? Oui! Fais-toi installer une ligne directe ou achète-toi un portable, je sais pas moi. Donc j'en conclus qu'il est au courant. Oui, c'est tout. Hep, venez voir, venez. Est-ce que vous avez déjà vu une chose pareille? Je vous rappelle l'objet de ce flash spécial. Un renne du Canada a été vu dans Maple Street et dans d'autres rues du centre-ville avant de s'enfuir en direction de l'autoroute. De nombreux témoins oculaires assurent avoir vu l'animal en vol. Et maintenant, à vous les studios, Alex. Nick, il faut qu'on se dépêche. Nick, il se dirige vers le nord. Il rentre chez lui. Popcorn? Non. Qui se dirige vers le nord? Si jamais ils apprennent que j'ai utilisé le fourgon pour une affaire privée, ils me vireront comme une malpropre. T'en fais pas, maman, tu seras une héroïne pour les enfants du monde entier. Oui, du monde entier.
Vous avez réussi à m'embobiner pour que je vous conduise, vous et votre miroir, vers une destination inconnue. Seulement, il serait peut-être temps d'avoir la gentillesse de me dire où on va. Maman, on va chercher le renne. Oui, on va chercher le renne. On va chercher quoi? Isabelle. Non, c'est bon, ne vous fatiguez pas. L'Isabelle Express a voté la grève. Oh, vous n'allez pas nous faire ça. Bien sûr que si, et je continuerai jusqu'à ce que je sache ce que vous manigancez. Isabelle. Quoi? Venez voir ce miroir. Suivez-moi. Vas-y, maman, fais-lui confiance. D'accord. Mais il vaudrait mieux pour vous que ça vaille le coup. Alors, qu'est-ce qu'il a, ce miroir? Regardez. Mais d'où vient cette lueur? Oh non. Oh, mais ma parole, c'est de la neige qui sort de ce truc. Oh, mais regarde ça. Oh, regarde, oh, il est trop beau. Ah, qu'est-ce que... Je peux savoir à qui est ce renne? Oh, c'était vraiment épatant. D'accord, allons-y. Génial. Oh oui, en route. Bon, eh bien, ne restons pas les bras croisés à attendre que ça s'arrange tout seul, les amis. Il faut qu'on sauve Noël. Voici les dernières nouvelles du renne bondissant qui s'est échappé du zoo de San Ernesto en début de soirée. L'animal aurait été vu au marché de Noël de la jardinerie Epps. Le pôle Nord est encore loin, petit renne, tu ferais bien de te dépêcher. Tu sais qui je suis? Toy drums, a room to dude and a rum a tum tum. A curly head dolls at Connie and Coo. A elephant spokes and a kitty costume. He's coming. Say he's coming. Your Santa Claus is his cold beer time. Regardez, c'est la voiture de Buddy. Il est aux trousses de Buddy. Suivez cette voiture. D'accord, accrochez-vous, on va faire demi-tour. Où es-tu, mon petit rôti ambulant? T'iras pas loin. Je peux pas le suivre là-dedans avec le fourgon. Accrochez-vous. D'accord, j'essaie. On va faire le tour par la route, traverser la rivière et foncer jusqu'à l'autre pont. Deux pas, Buddy. Deux petits pas d'élan et hop, tu vas l'ostre, Buddy. T'as pris, Buddy, sors.
Je t'avais dit que je t'aurais. Non! Buck! Non, Buck! Je ne serai pas! Buck, non! Ne tire pas! Chérie, laissons-leur un peu d'intimité. D'accord. Voilà, on a réussi. On a réussi. On a réussi. Ouais. Sandy, j'ai un aveu à vous faire. La première fois que je vous ai vue, j'ai oublié de respirer. Vous étiez avec Buddy et vous étiez si... Vous étiez si douce, si gentille, si belle aussi, que je me suis dit au fond de moi, ça y est, c'est elle. Et j'ai baissé ma garde. C'est fou, je n'arrêtais pas de penser à vous. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen de vous amener à me connaître et que peut-être vous m'apprécieriez comme je suis. Le fait de vous avoir vu chez moi ce soir... Je ne peux plus imaginer la vie sans vous, Sandy. Alors que diriez-vous de venir avec moi? Je ne vous cache pas que... Vous subirez aussi le sortilège. Vous serez coincé au pôle Nord... Coincé avec moi. Qu'est-ce que vous en dites? Nick, je regrette. Vous comprenez, il y a le zoo et tout ça. Je veux dire, sans vouloir me vanter, je sais pas comment il ferait sans moi. Et puis, je pense aux gens et aux animaux. Bien sûr. Ils comptent tellement sur moi. Oui, ils sont, je sais pas. Ils sont tout pour moi. Je n'ai que... Alors, ils sont toute ma vie. Et... Vous êtes... Je sais. Je suis le Père Noël. Ouais. Je suis navrée. Non, ne pleurez pas. Désolée. C'est rien. Je comprends. Eh bien, je crois que... Hector avait raison, faut que je me sauve. D'accord. C'était un sacré Noël. Regarde, il y a encore un cadeau. Je sais que t'es fâchée avec le courrier en ce moment, mais... Oh. Ça vaut pas un bijou, mais j'espère que ça te plaira. Oh, mon chéri, t'es trop mignon. Oh, je t'aime, je t'aime. C'est vraiment... le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire à une...
bonne maman. Tu es mon amour. Oh, est-ce que c'est pas adorable? Merci, c'est touchant. Est-ce que ça va, Sandy? Oui. Vous savez où est Lorna? Là-haut. Elle est montée voir Chester dans sa chambre. Maintenant que j'y pense, ça fait déjà un bon bout de temps qu'elle y est. Oh, j'espère qu'il n'y a pas eu de bain de sang. Je vous laisse. À tout à l'heure. Oh, vous êtes un grifou. C'est magnifique. C'est Noël à Paris, ma chérie. Mais je vois ça. Oh, c'est le plus merveilleux cadeau que l'on m'ait jamais fait. Et quand Lorna est heureuse, je le suis moi aussi. Vous avez eu une idée épatante. Ah, j'aimerais pouvoir dire qu'elle est de moi, mais en fait, c'est une idée de Nick. Une idée de Nick? Voilà ce qu'il m'a dit. Si vous ne pouvez pas emmener l'élu de votre cœur jusqu'à Paris, vous devez amener Paris jusqu'à elle. Bon, maintenant, mon chou, j'aimerais parler à Sandy. Et je vous laisse, oui. Encore du champagne. Encore du champagne. Merci. Au revoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Nick ne reviendra pas. Vous l'avez laissé s'en aller? Il le fallait, Lorna. Moi, à votre place, j'aurais cloué ses bottes au plancher pour qu'il ne s'en aille pas. Non, mais c'est trop tard maintenant. Il est rentré chez lui et il ne reviendra pas. Écoutez-moi bien, ma chérie. En amour, il n'est jamais trop tard. C'est très étrange. J'avais pris la direction du pôle Nord et je me suis retrouvée à vous regarder par la fenêtre. Oui, mais vous devez rentrer. Oui, j'ai juste fait un détour. Il était grand temps que vous reveniez. Grand Nigo, Sandy est folle de vous. Folle de moi? Je crois que oui. Je vous aime. C'est extra. Regardez-les. Nick, t'es un sacré filou. Et maintenant, que comptez-vous faire? Je voudrais m'en aller avec Nick, si son offre tient toujours. L'offre tient toujours. Dépêche-toi, chérie, viens voir. Regarde, chérie, c'est fabuleux. Oh, regarde là-haut. Au revoir, bon voyage. Rentrez bien. Au revoir, Sandy. Joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël à vous tous. Joyeux Noël. Bonne nuit! Tu sais, Nick, il y a un petit détail dans toute cette histoire qui n'est pas logique. Tu as dit que des miracles se produisaient quand tu en avais besoin. Alors pourquoi n'y as-tu pas fait appel pour ramener Buddy? Tu veux que je te dise? Je crois qu'au fond, le but était moins de retrouver Buddy que de te trouver toi. Mère Noël, c'est un joli nom. Non. Ah, d'accord. Et ça va, Buddy. On sait que tu sais voler, alors arrête de faire le